Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et nous sommes à présent en ligne avec Stéphane Juffa en direct d'Israël, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Ah, on ne vous entend pas. Ah, on vous entend. Ça va Stéphane, vous allez bien ? Bonjour. Ça va. Merci d'être avec nous. Alors, il faut le rappeler, vous êtes originaire de Metula, au nord d'Israël, mais vous avez été déplacé en raison de la guerre. Je crois que vous êtes toujours d'ailleurs à l'hôtel comme des milliers d'Israéliens. Vous n'êtes toujours pas rentré chez vous, mais vous suivez l'information de près, les derniers développements. Et justement, on parle du Liban ce matin, puisque les plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés. C'est ce qu'a indiqué hier Tzal. Comment vous appréhendez cette information, Stéphane ? Oui, on en a parlé hier. Il semble que le Hezbollah soit en situation de faiblesse et qu'on ait envie d'en profiter. À force de viser des chefs du Hezbollah et de bombarder les positions et les dépôts de munitions et d'armes du Hezbollah, ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire qu'on a réussi à désorganiser le Hezbollah et on attendait à cela une preuve. Et lundi, on a éliminé un des chefs de l'unité Nasser du Hezbollah, donc c'est l'unité qui contrôle toute la partie est du front avec Israël. Et on s'attendait, on voulait voir surtout, comme la semaine dernière, si vous vous rappelez, on a eu 2 jours de bombardement intensif du Hezbollah avec 300 projectiles tirés, c'est arrivé jusqu'à Haïfa, jusqu'à nous ici à Tibériade. Donc on voulait voir, on avait cette impression que le Hezbollah était affaibli, on attendait ce matin, après la fête religieuse de Eid el-Fitr, pour voir si le Hezbollah allait recommencer, puisqu'on avait à nouveau éliminé un de ses membres. Et ce matin, il y a eu quelques tirs, mais ça n'a vraiment rien, Ilana, c'était vraiment rien en comparaison de la semaine dernière. Donc on est renforcé par cette idée. En plus, il y a Amos Hochstein, le négociateur de Joe Biden, qui a fait un bref passage à Beyrouth, pour mettre le Hezbollah et le gouvernement libanais en garde. Et donc, on augmente la pression de tous les côtés par cette déclaration, excusez-moi, et la déclaration d'Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit qu'on a carrément hier qu'on allait éliminer le Hezbollah. Alors, donc, oui, des plans opérationnels pour une offensive au Liban approuvés, qu'est-ce que ça signifierait pour les Israéliens justement qui ont été déplacés, puisque une guerre avec le Liban pourrait prendre des mois et vous pourriez rester en fait très longtemps encore à l'hôtel, Stéphane ? Ben oui, et la vie d'hôtel, ça va 3-4 jours, mais... Pour les gens qui sont là depuis le début, ils sont là depuis 8 mois, c'est très désagréable. Mais tout le monde est d'accord pour penser que si une opération militaire sérieuse est organisée au Liban, qui ne durera pas forcément des mois, faut pas oublier justement qu'on a préparé le terrain. À part ça, c'est un effet d'annonce ce qui s'est passé hier, parce que en 8 mois, l'armée a eu le temps de se préparer. Donc ça pourrait aller plus vite. Et il y a un terrible déséquilibre de force entre le Hezbollah et Tsahal. Tsahal, c'est aujourd'hui 500 000 soldats mobilisés. Le Hezbollah, c'est peut-être 15 à 20 000 combattants éparpillés qui sont sur la défensive. Donc, on est en bonne position. Et puis surtout, on en a parlé souvent dans nos interventions, dans vos interviews, on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'on peut pas s'accommoder d'un cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, on reconstruirait nos maisons, et d'ailleurs les Libanais aussi, qui sont eux aussi déplacés du front. Oui. Et puis au bout de 6 mois, de trois ans, de 5 ans, à l'initiative du Hezbollah, c'est ce qu'on peut pas admettre, ben ils remettraient ça, on serait de nouveau en guerre pour 8 mois, 1 année, ça c'est pas possible. Et donc on est presque acculé à la solution militaire. Et en fait, des deux côtés de la frontière, ça faut aussi bien le comprendre, on favorise cette solution. Eva pour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Eva.
Stéphane, il y a aussi la question qui se pose de cette guerre avec le Hezbollah, parce que le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas, hein, c'est une organisation totalement différente. C'est aussi encore plus un mandataire de l'Iran dans la région que le Hamas. Alors, quelle différence ça pourrait faire sur cette durée de la guerre et puis aussi sur la teneur des combats? Ben, le Hezbollah, il faut pas exagérer non plus, hein. Il faut jamais exagérer ni par le bas ni par le haut. C'est-à-dire que c'est un adversaire coriace, mais ça reste une milice. Et comme je viens de le dire, avec 20 000 combattants, et peut-être parmi les 20 000, 2 000 combattants de qualité qui pourraient nous tenir tête. Et ce qui nous ennuie avec le Hezbollah, c'est les grosses roquettes. C'est des roquettes de 300 à 500 kilos. Ça fait énormément de dégâts et à longue portée. Mais également, la première chose qu'on a à dire, c'est plus Ah, les roquettes Stéphane sont. Jufa, excusez-moi, à longue portée, ça veut dire que les roquettes du Hezbollah, en cas de guerre, elles peuvent aller jusqu'où? En Israël? Partout, partout. Elles peuvent aller à Tel Aviv, à Jérusalem, et ils n'ont aucun problème. Mais plus ces roquettes volent longtemps, plus elles sont grosses, et plus ça en fait des cibles faciles pour le dôme de fer et la fronde de David. Vous savez qu'on est considérés comme des experts en stratégie et en tactique. À notre avis, ici, à la MENA, il n'y aurait pas beaucoup de ces grosses roquettes qui toucheraient le centre du pays. Bien entendu, ça pourrait arriver, des accidents, des incapacités d'en intercepter. Il y aurait des morts, il y aurait des dizaines de morts de notre côté. Mais en fin de compte, le rapport de force est terriblement déséquilibré et on ne peut pas non plus vivre avec cette menace permanente. Le Hezbollah, c'est une menace, c'est une milice. Peut-être le danger le plus grand, et celui qui fait peur en tout cas aux États-Unis, serait que l'Iran vienne au secours du Hezbollah et envoie des soldats au Liban. Mais c'est un petit peu compliqué au niveau logistique. Ils n'ont pas, l'Iran ne possède pas des avions de transport de troupes nécessaires à le faire. Puis s'ils envoient des troupes, ben, nous on est aussi capable de nous occuper de ces gros avions, et je vous dis, ils en ont pas beaucoup. Donc, on n'appréhende pas réellement, on aurait quelques jours difficiles à passer, mais si c'est pour se débarrasser de la menace du Hezbollah, 95% des Israéliens vous diront que ça vaut la peine et ils auront raison de le dire. Alors, vous parliez des États-Unis, justement, Stéphane, les États-Unis qui ne veulent pas d'une guerre régionale plus étendue au Moyen-Orient. C'est ce qu'a indiqué hier le Pentagone par la voix de Patrick Ryder, hein, le porte-parole, justement, du Pentagone, et qui, des déclarations qui surviennent, justement, après cette annonce d'Israël que des plans de bataille ont été approuvés. On a aussi entendu Benjamin Netanyahou qui a dénoncé les blocages de l'administration Biden, blocages par rapport à des transferts d'armes. Avec quel regard vous observez cette situation, ces relations entre Israël et les États-Unis? Ouais, alors, au sujet des livraisons d'armes, il s'agit en fait d'une livraison qui est bloquée par les États-Unis. Il y a des discussions autour de celle-ci. Les autres livraisons sont bien arrivées. Les Américains disent depuis hier, on ne sait pas de quoi Netanyahou parle. Alors ils exagèrent un petit peu, ils savent, c'est un bateau qui est toujours bloqué et qui contient des armes simples, des obus dont on a besoin pour l'artillerie et les chars et dont on pourrait avoir besoin en cas de guerre totale avec le Hezbollah. Ils jouent en jeu à Washington, quand même un petit peu bizarre. Simplement et très rapidement, même s'ils sont d'avis que ce n'est pas le moment de commencer un conflit, même s'ils sont opposés à l'élargissement du conflit, ce n'est pas nécessaire de le dire. C'est-à-dire que s'ils avaient dit le contraire, s'ils avaient dit aux Libanais, surtout au Hezbollah, écoutez, si vous n'acceptez pas une solution basée sur la résolution 1701, c'est-à-dire de rendre vos armes et de vous retirer de la frontière. Si vous n'acceptez pas cette solution, les Israéliens vont vous attaquer. On va soutenir les Israéliens, même si c'est pas vrai, Ilana, ça nous aurait beaucoup aidé dans les négociations et ça aurait pu éviter la guerre. Eh Ce bien, qu'ils ont fait, merci. ça n'est pas la guerre. Merci beaucoup, Stéphane Jufa. Merci pour ces précisions. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Bon courage.